Bonjour à vous YouTube et bienvenue sur la suite d'Anderal. Il y a eu un petit flottement dans les VOD parce qu'on a fait une semaine sans jouer à Anderal. Désolé, je sais que pour ceux qui suivent la série, ça s'est fini sur un truc assez incroyable et moi aussi j'avais envie de savoir ce qui allait se passer. On va le découvrir tout de suite. Alors, comme vous le savez, vous avez regardé le dernier épisode, il y a eu un bug à la fin du dernier épisode et du coup ça m'a remis à la dernière sauvegarde, donc quand je suis rentré dans la salle. Donc on va revivre ensemble ce moment étrange. Voilà, ce moment étrange. C'est parti. Donc l'autre il nous dit oh, attention, ça c'est vague, donc c'est dans la maison là-bas. Voilà, là il dit que la nature reprend ses droits, blablabla, donc ça change pas. On s'en fout. Et du coup on y va. Alors, Captain. Ah putain, mais ça c'est tellement relou ce bug. En fait j'appuie juste sur Maj, et des fois quand j'appuie sur Maj ça met l'overlay Steam, ce qui est très très relou. Donc là je crois pas qu'il est mis. Il y a juste après la boîte de dialogue pour dire oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça et tout. Donc là, il va dire attends, il faut que j'aille voir. Wait, I know that smell. Voilà, il dit ah, je connais cette odeur, reste ici. Comment ça, il connaît cette odeur? C'est bizarre quand même. Vous voyez, il est là-bas. C'est quand même beau, hein. Where did we find Yarrow's wife? Alors, où est-ce qu'on a trouvé la femme de Hiro? Pardon. Bah alors, on a déjà fait cette boîte de la vous vous en souvenez, donc là il me demande est-ce que c'est vraiment moi? Donc je lui réponds. Then it really is you. Donc là il me dit ah, c'est vraiment toi? Je fais mais Good qui est-ce que ça question. pourrait être Best you d'autre? take a look for yourself. Il me dit bonne question. I'll wait Tu devrais here. aller voir. Je vais attendre ici. Donc là du coup on va voir et là. Ta 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 ta! C'est moi. Il y a mon corps et le corps de Sirius, la personne qui était avec moi au tout début. Et du coup, on ne sait toujours pas ce qui se passe. Donc on va aller parler du coup à Jespar. Et là, j'espère avoir des réponses. So, any Alors, explanations? t'as des explications? Ça doit être une illusion. An illusion? Une illusion? Yes, of course. Ouais, bien sûr. Created by this bloody Créé temple. par ce putain de Or maybe even temple. the high ones. Ou peut-être Yes, of par les course, grands, that must be par les it. High One. They're Je trying sais to plus comment confuse j'avais us. traduit ça. By the wise sermon, they'll do just about anything, won't they? Ils essaient de This is nous. just wrong. De nous rendre This is confus. crazy. Well, working with you is definitely an experience, to say the least. Il dit You ouais, should travailler push avec toi, on. Find that c'est vraiment stupid une épreuve, train. hein. I just want to get out of this place as quickly as possible. Ok, bon. Du coup, il dit qu'on doit continuer. Pourquoi ça me met Sirius plein de fois? Un petit point super relou. Donc, vous vous souvenez, on est dans ce fameux temple qui avait rendu fou, enfin qui a rendu fou, du coup, la personne avec qui on était, le mage là, qu'on a buté. Non sans mal. Et bien, nous voilà maintenant partis à l'exploration. Bonjour, Eagle Oham. Bienvenue à toi. Pourquoi ça me met sérieux? Je sens que ça a bugué ça aussi. On va faire avec, hein. Ça, on va faire avec. Alors, suivons-le. En tout cas, c'est vraiment beau ici. Petit point sur mes armes que j'ai. Donc, j'ai toujours ma masse. J'ai deux. J'ai deux arcs. Donc, je sais pas pourquoi j'en ai deux. Il va falloir que j'en vende un. Lower flow. Ok, bah écoutez, on va continuer d'explorer un peu ce temple. Je me rappelle même plus ce qu'on cherche en fait. Captain, arrête de donner tes bières. Putain, il y a un truc là encore. Attendez, c'est quoi le... Alors, ah oui, voilà, je me souviens maintenant. Vous vous souvenez, on doit trouver du coup le métro en fait qui permet de relier les contrées entre elles. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je me rappelle. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah putain, il y a encore une espèce de géant là. Putain, mais j'espère qu'il s'en bat les couilles quoi. Oh, j'espère, qu'est-ce que tu fais? Il y a un truc là, vas-y, tank! Putain, c'est moi qui focus, c'est moi. Ah bah quand on a plus le mage qui... Oh putain. Tranquille, j'espère, tout va bien.
Non mais franchement, là si on n'avait pas les PNJ, ce serait impossible quoi. Vous avez vu la taille de ce truc? Heureusement qu'il y a les PNJ dans Skyrim quand même. Hein. Enfin, Doral, pardon. Je mets des flèches dans le cul. Rigolez pas, c'est vraiment un point faible le cul. Hein. J'adore, j'espère il se bat avec un petit couteau, tu sais, avec une dague, il s'en bat les couilles, mon gars. Meurs, tiens, flèche dans la tête. Pourquoi il meurt pas? Allez. Oh! Meurs! Meurs! Putain, faut que j'arrête de viser la tête en étant sur ce joueur. Hein. Toutes les flèches de mon carquois dans ta cuirasse. Dans les jambes. D'accord. On attaque. Putain, super, super j'espère quand même. Hein. Meurs. Tiens. Dans la côte. Yeah, level up. On va se donner de la stamina. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient? Putain, ils ont rien sur eux, quoi. C'est un truc de fou. Je sais pas, c'est censé être des espèces de boss, non? Ils ont absolument rien sur eux. Putain, j'ai toujours Sirius là. Oh, j'ai trouvé, on l'a trouvé! On l'a trouvé! Mais c'est vraiment un métro en fait. Donc ils avaient vraiment élaboré une technologie électrique ou à vapeur. Ah, ça marche avec des cristaux. Oh. Ah, on a l'impression que le... Enfin, heureusement, l'eau a épargné le train. Il trouve ça très beau. Bon, du coup, maintenant, il faut qu'on trouve comment on l'actionne. C'est très chiant, le Sirius, là, qui spam... C'est très très relou, ce bug. Je vais voir si je fais une sauvegarde et si je relance, si ça marche. Système, save, new save. Je vais quitter le jeu, je vais relancer vite fait. Ça fait pas longtemps. Juste pour voir s'il y a encore le bug, parce que c'est un peu relou quand même. On va pas se le cacher, hein. On va pas se le cacher, c'est un peu relou. Load. Bon, déjà, il est pas sur la petite truc de loading, il n'y a pas marqué Sirius partout, donc c'est bien. Donc voilà, donc on a trouvé un moyen d'activer ce train. Et du coup, apparemment, il y a des portes à côté. Enfin, bref, on ira voir. Mais en tout cas, ça a l'air de marcher avec des cristaux. Faut faire gaffe parce qu'apparemment, enfin, les cristaux, vous savez que ça vous fait augmenter ma fièvre arcanique. Donc il faudra faire gaffe à ce genre de choses. Ok, j'ai pas augmenté le son de mon micro là. Ah, c'est bon. My bad, j'ai augmenté le son sans faire exprès. My bad. C'est toujours Sirius là qui se pas. Bon, tant pis. C'est pas grave. Du coup, j'imagine que lui il va rester là, c'est ça? Ok, lui il va rester là, c'est à moi de m'en occuper. Génial. Sirius. 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 Ok, 1 sur 4. Ah. D'accord, ça fait de la lumière. Je comprends pas trop pourquoi, mais why not, d'accord. Ok, Sirius. Sirius. Ok. Ah, le deuxième. Bah ça, c'est facile en fait. 2. Ah, ça a allumé quoi? Ça a pas allumé la lumière en fait. Bon, bref. Donc 2. Ah, je suis sûr. Non, il n'y a même pas un ordre. Non, non, il n'y a même pas d'ordre, donc c'est bien. 3. Tiens, ça a allumé la lumière aussi. Le quatrième doit être là. Bon, c'est facile du coup. Quoi une combat? Quoi une combat? Oh putain, il y a des mobs. Oh bordel. Il se dirige vers. J'ai bien qu'on s'en bat mes couilles de moi. Oula putain, je disais ça mais en fait non. Yaaah, eux ça va. Eux ils sont gérables. Putain mais, j'espère mais t'es un fou un peu. Ça va mal à ce mec ça, c'est sérieux quoi. Salut Mick, ça va? Bienvenue à toi sur le live. J'ai passé une bonne journée. Non, c'est pas bien. Enfin c'est pas aussi bien que ce que j'ai. Sirius? Sérieux, sérieux. Je sais pas parce que Mick à chaque fois qu'il vient sur le live, il a toujours la même couleur sur le chat qu'un mec qui est déjà là.
Putain, j'en ai pas resté bien. Allez, là, on défonce. Putain, j'ai encore augmenté ma stamina, mais putain, c'est un truc de fou, quoi. Comment elle descend... Enfin, comment je la luse vachement vite. Et bah, c'est bon. J'ai pas activé le dernier levier, je crois. Ouais, parce que je pouvais pas, parce que j'étais en combat. Voici le dernier levier à activer. Je sens que ça va faire une connerie, non? Tranquille, et vous? Bah, écoute, moi, ça va. Oh, bordel. Viens m'aider, toi! Viens, y'a un problème. Ouais, vas-y, fonce leur dessus. Ah, il a récupéré une épée! Oula, il en avait déjà une. Franchement, j'ai pas remarqué, mais. Il se battait à la dague, bon. On focus! Bien joué! Ah, les bons combats de Skyrim. Ah, franchement, je suis content qu'il soit là quand même. Parce que s'il était pas là, putain. Alors, je me demande si l'épée d'argent est plus forte que ce que j'ai, mais je pense pas, non? 17. Ah, j'en ai déjà récupéré une en fait. En fait, c'est pareil. C'est exactement pareil. Je vais garder la masse. Quoique, non, je vais prendre l'épée, tiens. Je vais prendre l'épée, ça changera un peu. De toute façon, ma masse n'a plus de. N'a plus de pouvoir, comment dire. Ne peut plus, enfin bref. Donc du coup ça me sert à rien de plus niveau dégâts. Où est le dernier? Salut Sinekai, comment vas-tu? C'est bien passé ta journée aussi. Il est où le dernier? Il est en haut, non? Je pense qu'il est en haut. Ouais, je pense qu'il est en haut. Comment il a fait pour arriver là-haut? Attendez, il y a j'espère il vénère là. J'espère il est vénère. Oh non, il s'en bat les couilles. Ah oui, il est là. Bon, ça va être le combat de l'arc. Oh non, ça va être long. Préparez vos popcorn. Ça va être long. Eh, je dois bien avoir un moyen de monter là. Je dois bien avoir un moyen de monter. Et on dit bonjour à Ruby aussi qui vient de rejoindre le live. Bonjour Ruby. Ça fait plaisir, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Comment vas-tu? Bon, Sinekai va bien, donc c'est bien. Si Sinekai va bien, tout va bien. D'ailleurs, on a un moyen de monter là-dedans. Ah bah oui, juste comme ça en fait. Nice. Nice. Eh bien, allons-y. Attention là, esquive de flèche. Hop là, esquive de flèche. Vas-y. Hop là, esquive de flèche. Là, on l'empêche de tirer. Et hop, on lui défonce sa gueule. Et bim. Et bim. Et voilà. Et bah c'est bon. Du coup il faut aller voir l'autre là je pense. Hop, on va ranger ça. Tadam. Bon, va à l'intérieur et prends un siège, d'accord? Je vais voir si le train fonctionne. Quoi, je me mets là? De toute façon j'ai pas le choix, non? Ah non. Ah non, je peux vraiment. Ah non. Oh non, me dis pas qu'on est bloqué. Oh non, me dis pas qu'on est bloqué. Oh non, me dis pas que. Oh non, j'aurais pas dû aller là. Et du coup, lui il attend parce qu'il peut pas rentrer parce qu'il a pas de place. Mais du coup, il peut pas sortir parce que moi je peux pas sortir. Oh non, me dis pas qu'on a fait ça. Heureusement, j'ai fait une sauvegarde juste avant. Non, casse-toi. Non, je suis sérieux, casse-toi. Oh non, pousse-toi. Non, 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 non. Jasper, pousse-toi! Laisse-moi sortir, c'est là-bas qu'il faut que j'aille! Rentre au maximum que tu peux, je sais pas. Organisons-nous! Ah, bordel! Je vais bien, désolé, je voulais profiter des vacances pour venir voir les lives. Mais à chaque fois que j'y pensais, le live était fini. Bravo. Un coup de fou, Roda. Je peux pas. Je suis pas dans Skyrim. Je suis pas dans Skyrim, putain. J'ai rien pour le pousser, en fait. Alors, voyons ça. Panique, non. You move silently, non. You receive any damage, non. Bah, méditation, non. Mais c'est vrai que j'ai fait un tour tout à l'heure.
Non, non. Projectile of Dark Power. Non, mais je suis baisé, il va falloir que je reprenne ma sauvegarde d'avant. Oh, mais putain, mais sérieux, pousse-toi, PNJ! Pousse-toi! Oh, le Sirius, il s'est barré d'ailleurs. Enfin là, on va le retrouver, voilà, évidemment. Putain. Vas-y, raconte-moi ta vie, toi. Non? Ah, je dois aller activer les trucs, là, c'est bon. Oh là là! Je suis tellement relou, tellement relou! C'est tellement relou! Vous avez fait quoi de votre journée, genre? Racontez-moi un peu votre vie. Pendant que je refais ce que j'ai déjà fait! Là, je m'en fous des mobs, hein. J'active tout d'un coup. Bah, les couilles. Ils ont tous en bagueule, je m'en fous. Ah bah oui, je peux pas le faire en combat, lol. J'espère, bouge ton cul. C'est la guerre. Lâche pas. C'est la guerre. Mes devoirs. Ah bah bravo, ça c'est bien. Voilà une jeune fille responsable. Putain, j'ai vu ton mur, elle était tellement jolie. Ça m'a fait quelque chose. T'as vu, il y a ton dessin juste là-bas. Au-dessus de la map de... Au-dessus de la map de la terre du milieu. Viens là, toi! Basket et tout sexy pour changer. T'as pas pris le dernier, du coup? Moi, j'ai même plus au basket. Enfin, en fait, j'aimerais bien y jouer, mais j'y jouais beaucoup en stream et... Vu que je stream plus, parce que le problème, c'est que comme j'ai la version d'avant, personne va venir voir ça. Blue Médache. Ah, c'est bien. Il y en a qui font le Médache. On va reprendre notre épée. Elle est bien. Toc. J'ai découvert ma correspondante, elle est trop cool. Ah ouais? Correspondante où? Bon, cette fois on fait pas les cons, hein, t'es mignon. Attends, mais y a toujours l'autre là-haut, c'est ça. Oh, what the fuck? Oh putain, ok, il était. Oh, aide-moi! Tank, 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 tank! Fais ton job de PNJ, merci. En fait, l'épée tape vachement vite. J'ai l'impression qu'elle fait plus de dégâts en fait. Mais je crois que comme c'est une épée, normalement, enfin, je crois qu'une épée en argent dans Skyrim, ça fait plus de mal contre les morts-vivants. Je sais pas si. Là, c'est pas marqué sur dans Anderal, donc je sais pas si ça marche aussi. Ma journée, je me suis caché dans mon coin pendant 5 heures quand je me suis vu dans une vidéo de la PGW. Oh, t'étais à la PGW? T'étais à la PGW, Captain. Moi, je veux te voir. Je veux te voir dans la vidéo. Pardon, poussez-vous. Oh putain, mais il va me tuer en fait. Non! Non! Je veux pas refaire, je veux pas refaire, je veux pas refaire, je veux pas refaire. J'avais qu'à me tuer, pourquoi j'ai pas pris une potion? Je suis un connard. J'ai voulu jouer, j'ai perdu. Je veux pas refaire encore une fois. C'est super chiant. Ça me saoule. Oui, ça me saoule. Hyper relou! J'ai la flemme, faut que j'aille micromanier et tout. Lol. C'est vieux feignant, tu sais. Putain, je sais plus où est le levier que j'ai pas activé là. Can't use it in combat. Mais putain! Ça m'énerve! Ça m'énerve! Tellement! Tellement d'avoir été con! Encore une fois, j'ai été con! Non, lâche-moi toi. Me touche pas. Essaye même pas de me toucher. Voilà. Pas crevé. Allez tous mourir. Je vous déteste tous les mobs. Je vous déteste tous. Je vous pisse tous allègrement dessus. Ah non, c'était prêt. Avec un fisheye, je me suis vu encore plus gros que d'habitude. Lol. Ben, c'est possible ça? Je bâtard. Bonjour! Ah oui, j'avais oublié qu'ils étaient deux. Excusez-moi, je speedrun puisque vous me saoulez. Mais ça fait énormément plus de dégâts en fait l'épée en...
L'épée en argent. C'est bon, c'est bon plan ça. L'autre. Salut docteur Cuir. Comment ça va? Ça fait longtemps que je t'avais pas vu. Hello. Il est pas là l'autre. What? What, what, what? Moi je voulais y aller mais personne voulait m'emmener. Mes parents m'ont déjà emmené pendant 2 ans. Eh bah, passe ton permis. Non! Tu arrêtes! Archer, arrête de archer! Archer, arrête de archer! Merci. C'est bon, ils sont tous morts, on peut y aller, on peut finir le jeu. Le sérieux, c'est ton aller! On va faire une sauvegarde parce que. J'arrive pas à croire que je fais une sauvegarde ici, quoi. C'est un truc de fou quand même. J'ai 14 ans. Et alors? Achète-toi un scooter. Lol. Bon, cette fois, je te suis pas, je fais pas le connard. Je les ai pas fouillés. Oh, mais ils ont rien, attention. Allez, on y va! The subway! Ah, mais il y a vraiment un intérieur et tout. Oh là là! Par contre, je sens que je vais fouiller ma cabine. C'est cosy! Oh! 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 Coblay of the Ancient Nation. Ancient Nation. Mais c'est magnifique! Mais c'est beau! Bon, bah écoutez, on va s'asseoir. Hein. Mais j'adore l'autre, il va et tout, il va conduire le bordel. Ah d'accord, mais tu conduis même pas le truc en fait. Tada! Ah, je suis formidable. Il a dit que si jamais ça marchait pas, bah de toute façon, il demanderait au Purians de l'engager comme technicien. Sauf que bah. Ha! T'es un peu con ce garçon. T'es un peu con, non? Hein, j'espère, t'es un peu con. Est-ce que je vais récupérer ma vie du fait du voyage? Parce que bon. Bon, désolé pour ce qui s'est passé tout à l'heure à la maison. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Moi non plus. Putain, mais ça a pas sélectionné la bon truc là. If I reacted somewhat inappropriately, I'm sorry, but hey, I'm not the one whose corpse is lying around in some ruin. Il dit bon, je suis désolé si ma réaction t'a paru un peu inappropriée, mais bon, c'est pas mon corps qu'on a vu gisant dans une maison. Si les High Ones voulaient nous confure, bah ils ont vraiment réussi. Bon, en gros, il dit qu'il faut s'en battre les couilles et que ce qui importe, c'est la mission. En gros, il dit, on est quand même deux aventuriers qui se sont embarqués dans un truc, qui savent pas trop où ils sont, mais c'est pas grave, on s'amuse, quoi. How so? Not the part including mysterious corpses and crazed mages, of course. Il dit par rapport à notre aventure, il dit ouais, tout était plutôt drôle sauf trouver des corps chelous et battre des mages. Là, il parle de sa famille, il a dit qu'il avait une sœur, pardon. Ils sont pas très proches, apparemment. Et qu'ils ont un peu coupé les ponts depuis que son père est mort. Et je lui dis, mais ton frère est mort de manière prématurée. Yes, he did. Donc oui. Actually, Adila and I are the only surviving Delverex. All the others were murdered. Ah, apparemment, il a survécu avec sa sœur à une attaque de brigands, en fait. Je suis désolé d'apprendre ça, mec. No need to be. But I appreciate the thought, so thanks. Bon, il dit que j'ai pas besoin, mais qu'il apprécie. Part of me is actually glad everything happened the way it did back then. It made me into a man, and it showed me what kind of characteristics have a tendency to drastically shorten one's life. Bon, en gros, il dit qu'il a pas eu la vie facile, mais que ça l'a forgé en tant qu'homme maintenant et que voilà. Stubbornness. My father was a judge in the tribunal, you know. Son père était un juge apparemment au tribunal. After our mother died while giving birth to Adila, lived for only one thing. His principles. Apparemment sa mère en fait est morte en couche lorsqu'elle a accouché de sa sœur. Et son père il est devenu un peu en mode tout ce qui compte c'est la justice. Enfin il était un peu fou je crois. Enfin à peu près ce que je comprends. C'était un nazi quoi.
Je lui dis, bah, il avait ses principes, ça me semble admirable. It does to most people. Jasper dislikes that. Oh, tu m'étonnes. Arcor Sublime stood before the 12 judges of the court. Valenzio Duran. He had murdered two whores, made them happy, as he called it. And it was obvious that he didn't feel so much as a hint of remorse. You know those kind of people. The ones who think that money and power entitle them to anything they want. Genre là, je crois qu'il a parlé d'un mec qui serait passé en cour, enfin en cour au juge, qui aurait assassiné deux putes en fait, et qui s'en battrait les couilles, je sais pas trop quoi. Je lui fais, j'imagine comment ça va finir. Of course you can. 11 of the 12 judges voted for a verdict of not guilty because they knew Valenzio's father was influential. Ah, d'accord. En fait, c'était un mec qui était genre un fils à papa, assez. Enfin, c'était un fils d'eux, et en gros, du coup, les juges ont voté non coupable parce que, bah, du coup, voilà, quoi, c'était. Servants, gardes, mes deux younger brothers, all of them. Et quelques mois plus tard, en fait, je crois que le seul juge qui a voté contre, c'était son père. Et du coup, les bandits, après, sont venus bah, foutre un sac à sa maison et tout. Et je crois que c'est ce qui s'est passé, en fait. Enfin, c'est comme ça qu'ils sont morts. Lol. Je lui mets, mais c'est horrible. Je peux lui répondre. C'est ironique, mais c'était... On pouvait le prévoir. Horrible. Horrible. None of this is horrible. It was the only logical consequence. Il dit non, mais c'est pas horrible, c'était la conséquence logique des actions de mon père. None. As we speak, Valenzio's enjoying himself in some brothel with two whores and a bowl of grapes. Là, il dit et puis de toute façon, à quoi ça a servi tout ça? Nous, on s'est fait tuer, mais du coup, le meurtrier de base, et bah maintenant, il doit sans doute être à la taverne à boire des coups et à taper des putes. C'est exactement ce qu'il a dit. There are decisions and there are consequences. Et en gros, il dit dans ce monde, en fait, il n'y a pas de justice divine. Il n'y a que des actions et des conséquences, enfin des décisions et des conséquences, et les conséquences des décisions. Il dit que la règle universelle dans la vie, c'est que les gens sont cons. Et que de toute façon, les gens cons sont toujours ceux qui gueulent le plus fort, et que c'est toujours ceux qui auront raison à la fin. Et qu'en gros, il faut essayer de se débrouiller, quoi, pour pas rentrer là-dedans, quoi. Donc en gros, il dit que son père aurait dû fermer sa gueule et pas dire la vérité, quoi. En fait, c'était un nazi, mais dans la bonne décision, dans le bon sens du terme. Donc, ce que tu dis, c'est que en fait, ton père aurait pas dû, enfin, aurait dû faire quoi? Rien du tout? No, but if he had wanted Valenzio to die so badly, there would have been other ways. Il dit ouais, mais s'il voulait punir le Valenzio, donc celui qui était jugé, il y avait plein de moyens de le faire, genre en le tuant ou enfin en l'empoisonnant et tout. Il a une vision un peu étrange de la justice, j'espère, je trouve. But since then we haven't been able to speak to one another. She raised a wall of ice around herself, so to speak. Là, je sais pas de qui il parle, mais il dit que cette personne a coupé les ponts aussi, et que du coup, qu'elle a coupé les ponts. Là, il me demande du coup que lui, moi aussi, je suis un orphelin et que je lui ai jamais parlé de ma vie et qu'il aimerait bien que je lui parle de sa vie. Je lui dis, oh, c'est une longue histoire. Où est-ce que je devrais commencer? Ou alors, je lui dis, ce n'est pas. C'est une histoire personnelle, mais je vais quand même lui dire, c'est une longue histoire, où est-ce que je devrais... Alors tu m'as parlé du temple du créateur à Ostian. Ah, je vais arrondir tout là, lol, c'est bien les ellipses, j'aime bien ça. Ah ouais, d'accord, on a couché ensemble. Ah oui, bah t'es un mec rapide toi, hein. Bah si tu veux, on peut faire ça ici, pas de problème. Merde, j'ai fait W. J'ai fait W pour aller dans salle de méditation. Bah c'est pas grave, on va dépenser nos points, hein. Maintenant qu'on est là, on a un memory point. Quoi? Rise and shine, my friend. We have arrived. How'd you sleep? Ok, bon apparemment on est arrivé. Mais depuis combien de temps on... Depuis combien de temps on voyage en fait? I fell asleep too.
Je me suis endormi. Mais ça doit être 7 ou 8 heures. 7 ou 8 heures de train, bordel. Ok, bon. Les amis de YouTube, on va faire une petite sauvegarde. On se dit à la prochaine. On se retrouve très vite pour la suite de l'aventure. Merci à vous de suivre. Des bisous. Ciao YouTube.